C'est immédiatement un sentiment de satisfaction. Grégory Allione a été élu avec le maximum des suffrages qu'il pouvait obtenir et c'est vraiment quelque chose de très bien. Les sapeurs-pompiers de France, massivement, lui ont apporté leur soutien. Ils ont apporté leur soutien à un homme de valeur, ils ont apporté un soutien d'un homme à un sapeur-pompier qui vit pompier 24 heures sur 24, à un homme d'expérience qui connaît bien notre réseau, la sécurité civile et toutes nos problématiques. Et j'ai la certitude que pour les années à venir, c'est celui qu'il nous fallait. Sentiment de fierté, être à la tête de la fédération, ce n'est pas anodin, c'est la responsabilité de l'œuvre des pupilles, donc tout le sujet du social et de la solidarité qui s'exprime dans les territoires. C'est aussi la responsabilité de représenter le sapeur-pompier, quel qu'il soit, de quelque endroit que ce soit sur notre territoire. Et je pense aussi aux Outre-mer. Donc une fière responsabilité et aussi un sacré devoir. Un sacré devoir parce que je mesure toute la puissance des 270 000 adhérents, des 250 000 sapeurs-pompiers de France. Je les sens derrière moi, je les sens aussi parfois devant moi. Il va falloir être le leader, il va falloir être tempérer également les ardeurs. Donc une fierté, une sacrée responsabilité.